Voilà, comme vous l'avez insinué, vous l'avez dit, les larmes de Mizetu, c'est un récit très alarmant. C'est un récit issu qui est bien réfléchi. Donc après une réflexion, je dirais un récit issu d'une observation très lointaine. Les larmes de Mizetu est une nouvelle qui remet en question certains postulats et prémices de bon nombre de besoins, comme ceux liés aux voies d'entrée dans la prostitution. Et aujourd'hui, lorsque vous parlez de la prostitution, les gens ont les yeux tournés vers ces jeunes filles qui attirent les verres dîner aux hommes dans les boîtes et autres. Mais pourtant, le pire est à chercher ailleurs. C'est un livre de 80 pages. Écrire peut-être une option ou un désir, mais pour moi, c'est une décision. C'est une décision qui émane d'une voie intérieure. Et aujourd'hui, moi, je ne pense pas m'arrêter. Je continuerai. C'est le style que j'ai choisi. Et le style, c'est de s'attaquer et de réveiller les consciences de nos frères et jeunes sœurs sur les risques, les différents risques sociaux. Donc aujourd'hui, en tant que parent, je pense que c'est un honneur, mais c'est une incitation et tout simplement un appel pour dire qu'aujourd'hui, à mon âge et l'âge que représente l'auteur aujourd'hui par exemple, c'est de dire à la jeunesse que c'est possible, que nous pouvons le faire. C'est quelques alertes pour nos filles qui aujourd'hui, dès le bas âge, épousent déjà les nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux. C'est pour dire attention, la prostitution n'est pas dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, un jeune Togolais qui est venu s'intégrer, même si on compte peut-être lui donner une femme ici et une nationalité, je pense que c'est de bonne guerre.